Oui. Moi très bien, moi en forme maintenant. Si j'ai fatigué parce que journée en tout j'ai chargé pour moi et puis le petit retard là et m'gai l'autre bail m'va régler donc moi là, moi en forme. Et Karel, et si m'ai capable de dire année passée, je pense que c'est un monde qui te prend première édition ça en charge. Là toutefois que on dit qui artiste Michael Guirin, Richard Cavé était monté déjà et puis la piate dit même qui sont tes premiers éditeurs d'eau. Mon cher, c'est un moment magique. Je ne sais pas si on a vu ça encore. Parce que, premièrement, un peu de monde connaît que la disparition de Mika a fait dans le concert Karimé. Depuis le ça, ni Michael, ni Richard, ni Carlo, et toute l'équipe Karimé en fito, tout le monde qui était là, moi, j'étais sur scène dans tout. Nous, on tient comme si on avait un bagage qui était là. Parce que nous connaissons que et nous peut-être pas jamais voir Karimé sur scène encore. Nous peut-être pas jamais voir Richard avec Michael sous scène encore cap chanter musique ça et le justement nous décider offrir monsieur opportunité ça pour Michael avec Richard était well tant qu'une opportunité tout pour que eux-mêmes étaient fait deuil par eux et rendre Mika hommage et me pense que c'est intention qui était derrière réunion ça intention qui était derrière performance ça qui était fait que premièrement émotion mon yo la plia gens que comme ta cadeau ça tout le monde ton petit genre comme si nous pas sous terre là dans vivre moment ça parce que quoi on son musique qu'on connaît on va chanter DG fermé à tue-tête la pluie a tombé ou gagner Michael Guirin Richard Cavé sous scène ensemble une année après que justement yo t'a chanté même musique ça sous scène dans Paris à Co Arena mon cher c'est un bagage extraordinaire le moi ça pour moi me connaît t'a pral fait même pas j'aime anticiper qui émotion m'a senti et pour moi même c'était une plus bel moment que me vivre dans cause garder spectacle en Haïti. On dit ou c'est un monde qui habitué collaborer avec Mika et moi c'est des Digicel Stars et dernière collaboration même à Mika capable de séparer expérience ou avec Mika qui ça veut dire et pour et qui sont apprendre plus de Mika. OK, moi Mika t'ai une relation qui est à la fois professionnelle, moi relation amitié et tout. Professionnelle parce que Mika pour mon qui est capable comprendre c'est que le m'entrer dans Radio One, m'a fait sur les sound system. Mika moi j'ai 1 an plus Mika. Donc ça veut dire nous à peu près même l'âge, nous partager en pile bagarre en commun. Donc le m'entrer dans Soleil Sounds c'est là ça justement vienne proche Mika même dès qu'on est Mika avec succès que le gagné justement en Haïti tout badou avec musique avec album lien qui était les Mika comme t'es bien aimé mais l'on devine dans Soleil Sounds devine plus proche parce que pas oublier par exemple on fait projet Allo Haïti hein. Mika était très proche full bass de regretter de mémoire et Mika t'est produit en musique sous projet Allo Haïti. Donc, que l'te enregistrement musique, là, que l'te fait vidéo, etc., m'te toujours là parce que m'te directeur artistique sur les Sounds Radio One à l'époque pour te travailler avec Mika. M'ka dit c'est ça qui te vient connecter nous. Qu'on est en connecté et puis nous vient partager l'autre bagage. Mika son teaser jeu vidéo. Mika, par exemple, moi je joue FIFA, Mika lui-même joue Pro Evolution Soccer. Et c'est super fort dans Pro Evolution. Vous êtes fanatique haïtien, vous êtes une fanatique brésilien? Non, monsieur, c'est fanatique brésilien, même j'avais. Mais monsieur joue Pro Evolution Soccer. Donc, nous, quand on joue Pro Evolution Soccer ensemble, Mika remet tout ça qui a un rapport avec science-fiction, extraterrestre, etc. Moi-même, c'est des intérêts que je partage. Nous avons toujours partagé des bagages ensemble. Et chaque fois, moi, Mika, nous parlons. Tout bagaille sauf vraiment musique sauf si monsieur gon projet que le bras sorti l'envie fait me tendel ou bien mander mon opinion sur lui ou du moins discuter en général sur situation musique là après ça nous parler l'autre bagaille donc c'est ça qui était expérience avec Mika et dernier comme ta dou ça et interaction que me va avec Mika c'était m'a dit on dit 20 minutes avant que le mourir c'est nous t'en ascenseur dans Aqua Arena c'était le pause là et puis d'a monter et puis moi monsieur n'a chanté nous refait encore Mika Ben Karimi nous refait encore et ça veut dire c'est pour montrer en tout cas c'était toujours un gros animation ça entre nous deux là que une rencontre l'autre et d'a dire ça même ça parce que musique haïtienne n'a manqué Mika nous même tout qui est en mille avec famille je manquais nous en pile. Va Kimbotrop et message pour toute fanatique et Mika fanatique et Chokarella qui saute fait une belle tournée à Paris et quand même parce que c'est un monde qui a prêté une premier modèle dans secteur médiatique là. Message pour toute fanatique et Legacy si tout 16 octobre si bon Dieu veut c'est qui s'allie
mon cher, merci pour compliment sur parité cover, son plaisir. Message pour tout le monde et pour fanatique Mika en particulier, continuez stream musique Mika, continuez kembe mémoire Mika vivant et apprendre plus sur lui et Mika qui est un gros catalogue musique d'ailleurs, regardez mon équipe musique qui a sorti là, c'est un hommage à Mika ou bien Mika qui travaille sur lui. Andy Beats sorti un album là, Mika a touché lui et sur lui. Il y a plusieurs autres musiques qui sont sorties, Mika a touché lui sur lui. Et je crois que c'est ça que, pendant que tu as fait ça, nous même fanatiques, faut faire ça tout. C'est que musique Mika, continuer à jouer Mika, je connais nous, mais tu fais l'appel nous. Décembre, nous allons arriver, je connais nous, stream toute musique nous, Mika. Je pense que c'est comme ça que capable de faire mémoire, monsieur vivant, parce que je considère que Mika n'est pas sous scène encore. Même Mika vivant et musique Lio justement capable de parler pour toute occasion. D'accord, merci Feb. Et le projet Haïti Toubadoua, est-ce qu'on est capable de dire welcome back définitivement? Bon, oui, et nous travaillons sur ça parce que bon, nous avons essayé de faire ça. Nous avons dans mi-temps, mon projet Haïti Toubadoua et nous avons pris une décision, Fabrice, avec nous avons troisième producteur. Et troisième producteur, ça a été Mika. Nous avons commencé le travail, nous avons enregistré monsieur. Nous avons une alerte, mais là, nous, on est. Vivre en Haïti, ce n'est pas un bagage qui est facile. Nous avons des situations, mais là, nous décidons de mettre tristesse de côté, nous avons attaqué. Nous avons attaqué. Donc, nous avons à peine commencé à faire mouvement. Bon, nous avons mettre. Et je pense que le projet Touba, nous avons fait assez track original net. C'est une musique que nous avons composée. Bah, et je devais faire là avec le Mika, qui a en pile jeune. Il y a des jeunes artistes. Qui a peine confirmé, bien cap monté, bien qui ne connaît pas du tout. Et que nous voulons ouais, vraiment, si nous sommes capables de faire château pour nous faire un stade sous cloche. Andy, vous n'avez pas de chance l'année passée dans Legacy qui a fait au Cap, mais vous avez une chance pour la deuxième édition. Et tout ce qui est idée pour la deuxième édition, c'est qui ça l'est. Bon, et je pense que vous avez des expériences qui acquises dans la première édition. Hein, et donc, il y a des choses qui ont corrigé. Et je crois que là, il y a un musicien méchant qui est encore plus méchant pour la deuxième édition. Là. Donc, je pense que la prophète est très grandiose. Message pour fanatique Toubadou et qui dirait tout. Et définitivement, et message pour fanatique Mika Ben et la famille Benjamin. C'est qui ça lié? Bon, premièrement, je commence par remercier. Moi, qui suis Belize, je fait une interview avec Jodia. C'est parce que qui ça? Je commence à bonheur dans la musique. Je suis toujours un support. Fanatique, méloman, mon capitaine de radio. Je dis tout le monde vraiment un merci. Et grâce à ça, je fais une belle expérience et je continue. Et qui a pile perspective pour continuer à faire des choses. Je dis tout le monde vraiment qui supporte nous. Merci pour ça. Et je dis tout le monde, je me dis là, sur ce genre-là, je encourage tout le monde pour énergie pour Mika. J'aime dire la côté lié là pendant nous parlons sur ce jam, ça prend les guitares la frapper normal l'autre bois et nous même tout et comparé events qui fait partie de ça me capable dire que c'est une nouvelle ère de médias côté que nous même quelque nous hybride nous à la fois et comme si nous on passe nous d'ab scanner on bail dans télévision et puis moi nous là bail ça au 24 sur 24 donc c'est quand même c'est très appréciable et nous avons une présence qui est très solide dans le média en ligne, dans la télévision en ligne. Donc nous c'est le futur. Pour moi, je suis là, je ne joue pas pour moi-même, je ne pas pour moi-même, je donc, et puis, c'est ça. Donc, ça veut dire que la perspective est, en premier, c'est la famille Mika qui prend l'initiative pour honorer tout chaque année. Ce jour, l'événement, en fait, moi, je suis même de Haïti. Vous connaissez cousin Fito Yasset qui est manager Kai Karimi. Je prends ce petit WhatsApp, je vais vous faire subitement, je vais vous faire un flash, je vais vous de l'autre bois tout là. Et puis, je vais vous faire tomber. Vraiment, ce n'est pas irréel ce qui passe là. Les images sont venues, même sur le drapeau. C'est irréel. Jusqu'à présent, même beaucoup de process. Bon, je m'accepte. Ils sont en réalité, même beaucoup de process. Donc, et Mika avec nous là. C'est tout ça pour capable de dire que. Oui, c'est moi-même là avec nous. C'est quoi physique avec là même. Ça veut dire que de temps en temps, les Fabrice avec ma fait musique. Nous avons, comme j'aime te dire, nous avons trois nègres. Le projet Haïti Joue pas de jouer live, là, qui était comme dans trois piliers. C'est M. Eric Charles avec Abis.
nèg ça ou des pour là tout son manque jeune nèg yo créer comme ça comme là son de son jouet moi donc Mika toujours avec nous et me pense que projet ça comme je te supposé troisième producteur sur album là donc c'est sûr que n'a pas dédié un pile travail monsieur puis bon on a pour ça ça bail. D'accord, merci. Cassandrine, ça qu'a fait son plaisir bonne fois de parler en forme. Mon forme oui et au même en forme. Moment ça au moins non actif en pile dans affaire photographie. Ça qui passé yon l'amour qui a dégagé ou bien ça qui passé. Et en fait l'amour pour métier a contré avec passion et puis on dit que nouveauté nous ta remet comme c'est porté dans domaine photographie ça vient faire que nous vienne plus actif, ça vient faire que nous a travail tout ça en gros c'est ça. Depuis qu'il est ou entamé métier ça? Moi j'ai un an et demi depuis moi dans photographie. Projet ça, projet ou bien envie venir photographe qui côté d'avoir le sorti, qui est-ce qui t'a pas motivé? Et on dit que m'te voulais courir et étude moi. Donc moi dans médecine et m'te besoin yon comme si m'pa veux compter sous parents seulement et puis m'te dit OK m'a accroché photographie ensemble avec et médecine m'a accroché photographie pour me capable joindre moyen pour me payer comme si des bails que m'a besoin pour l'école moi et puis de là étant living tout en patience c'est comme si une histoire d'amour et moi gagne ensemble avec photographie. Photographe qui l'école qui institution t'apprend apprendre métier ça c'est dans Virea mais c'est li un programme qui relait caméra me changer vie me CV moi te rencontre ensemble avec Claude qui c'est un enseignant qui na et programme là et puis il était parlé de programme là et puis me dit OK me braler parce que me dit comme si j'aime Zulan me dit j'ai envie aller en photographie et puis moi aller apprendre dans Virea dans programme CV. Est-ce que je ne jeudi am capable dire nous dans phase stagiaire ou bien ou déjà et andi professionnel c'est professionnel là qui travaille ou bien ngadi c'est professionnel là qui travaille parce que depuis l'aim t'a pas apprendre ni guitare fait stage dans l'autre institution tout ça mais actuellement là c'est professionnel là qui travaille. Message pour toute femme qui t'a aimé devenir un photographe c'est qui s'allier. Donc c'est pas limiter nous si nous gagnons rêve, si nous gagnons métier, nous t'aimer apprendre surtout. Photographe pas parce que c'est parce que nous filles nous pas apprendre ni mais ces connaissances là, on dit ces connaissances là, c'est aptitude pour ça, c'est créativité qui a guidé, c'est passion tout pour métier. Donc pas limiter nous et nous capable venir par contre nous c'est